Ne prends pas part au vote. Mieux même. Qui est pour la reconduite du blocage? Qui vote contre? Et pour compter. Qui s'abstient? On compte. Alors, on recommence. Qui sur la reconduite du blocage jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Commune, mardi 10h, se prononce pour? Massacre. Y a-t-il un pilote dans la ville? Ah, tant pis, vous serez sur YouTube. Hein. La planète entière vous jugera. Ah, je n'ai pas vu votre vote, alors c'est l'essentiel. Qui vote contre la reconduite du blocage?
soit tu peux l'amener, c'est un mot qui est. Je suis pas compté, hein. Ah là, le résultat est incertain. Je crois que c'est la première fois, non? Bah, il y a une fois où vous étiez assez proche, mais ah oui, enfin, ah oui, d'accord. Ouais. Qui n'était pas la dernière fois? Au centre en haut, il y en a combien? 20. 20. Donc, ça dépend évidemment en partie qui vient et qui vient pas, quoi, évidemment. Abstention, il me semble. Enfin, ouais. On l'a pas compté. Qui ne prend pas part en vote pour tout le monde? Si, c'est bon. Yeah. Alors, attention, le résultat des votes. Alors, ne prend pas part en vote, 6. Abstention, 57. Ouais, quand même. Contre, 185. Pour, 285. Ensuite, attendez, j'ai dit, il y a deux autres petites remarques à vous faire. Sur la motion Marshall concernant la semaine du 11, c'est-à-dire la semaine prochaine. Levée provisoire du blocage la semaine du 11 mai pour permettre une rencontre entre tous les étudiants et leurs enseignants dans la perspective notamment des examens potentiels prévus à la fin du mois. Voter en revanche une reprise du blocage la semaine suivante. Qui vote